équipe, une place en finale qui se joue et un coup d'envoi dans quelques instants. Salut et bienvenue pour cette demi-finale de l'Euro 2020. C'est évidemment un grand plaisir de vous retrouver pour ce match du dernier carré. Elles étaient 24 sélections au début de cette phase finale. Il n'en reste bien entendu plus que 4 à pouvoir prétendre au titre de champion d'Europe qui sera décerné dans quelques jours. Vous le voyez, vous l'entendez, les fans sont en très grande forme. Espérons que le jeu sur le terrain sera à la hauteur. Je peux vous assurer que le stade de Wembley tout entier est prêt pour cette rencontre. C'est vraiment un lieu à part. Allez, on écoute l'hymne national de la Belgique. Impressionnant, mais ce qui va suivre va l'être tout autant. On imagine l'émotion des joueurs présents sur la pelouse. L'enjeu est énorme. Franchement, je crois qu'on peut en profiter pour tirer un grand coup de chapeau à l'organisation. Pas jusque maintenant, c'est un sans faute. On a vu des matchs se dérouler aux quatre coins de l'Europe, dans des ambiances fantastiques, et la logistique était au top. Alors espérons que cette compétition se termine en fanfare avec cette demi-finale et bien sûr la grande finale à venir. L'arbitre donne le coup d'envoi. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren? Ce sera sûrement Raheem Sterling. Il démarre généralement sur l'aile, mais il n'y reste pas longtemps, parce qu'il est à l'aise partout, ce joueur. Oui, je crois que les défenseurs qui vont devoir le marquer aujourd'hui seront d'accord avec vous. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. Avec Hazard. Va-t-il en profiter? Lukaku! Attention là, Mertens qui sent. Et il manque le geste décisif. Super débordement, même si le marquage était un peu à l'arrêt. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Peut-être une occasion pour Hazard. Stones. L'ouverture lumineuse. Et il cède sous la pression. Et ça peut... Kane ! Oh, Courtois ! Super arrêt ! Il y a danger. C'est joué long. Ça peut partir en contre. Bon, voici Lukaku. Non, il est signalé hors jeu. Vous avez remarqué comme les latéraux montent? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer des dégâts. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Kane! Oui, c'était puissant! Et l'arrêt est magnifique! Ah, ça c'est magnifique, chapeau! Quelle détente!
Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas cadré. Oh, que c'est dur, c'est une occasion en or. Le ballon a franchi la ligne. Hazard, le centre. Allez, c'est dangereux. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Sterling, il a trébuché sur cette intervention. Un coup de sifflet, ce sera une faute. Kane. Il n'a pas pu se retourner face au but. Énorme occasion. Oh, le gardien est là, la classe. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Il met la tête. Occasion de la tête. Witzel, c'est joué long, c'est dangereux. Avec Hazard. Le bon dribble. Il a tenté, bien joué. De Bruyne qui veut se projeter. Ça peut faire mal. Danny Rose. L'Angleterre qui cherche l'étincelle. Long ballon dans le sens du jeu. Sterling. Le ballon piqué sur le côté. Faut tirer là. Oh, c'est un arrêt important ça. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. De Bruyne à droite. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Stones. Lingard. Sancho maintenant. Ça joue long. Dans la surface. On la frappe. Faut frapper là. Il est renvoyé par le poteau. Alderweireld qui joue long. Oh, voici Lukaku. Barclay qui récupère ce ballon. Il s'impose physiquement dans ce duel. Faute. Bien servi. Jordan Anderson.
attention. La tentative. Mertens. Ça sent la frappe. Oh, l'occasion. Ce ballon dans la boîte. L'interception. C'était chaud. Oh, Sterling. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Et c'est la fin de la première période de cette demi-finale. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer ce tour. Pas de but. Coup d'envoi de la seconde période. Vous savez, je suis plutôt un mec optimiste. Je suis certain qu'un petit but peut tout débloquer dans ce match. Lingard. Stones. Maguire. Barkley. Jordan Henderson. Il renverse, c'est bien fait. Walker. Touche donc. Passe interceptée. Witzel. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Bon ballon dans la surface de réparation. Peut-être une occasion pour Mertens. Lukaku. Le jeu vient de reprendre et les filets tremblent déjà. Les joueurs de ce calibre ne restent jamais trop longtemps sans marquer. Quel régal! Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Il est inarrêtable. Cette compétition lui réussit bien. Il en est à 5 buts désormais. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Kai Walker. Lingard. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien intercepté. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Oh, voici Mertens. C'est un beau ballon. Chose là. Quelle occasion! L'Angleterre qui procède à un changement dans cette rencontre. Ali entre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Il récupère directement sur le dégagement. De Bruyne. Il joue sur sa gauche. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Oh, voici Lukaku. Ouais, c'était bien parti, mais c'est pas allé au bout. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Voilà un marquage très agressif. Oui, mais il aurait fallu le faire avant qu'il marque. Bon, au moins ils essayent. Ça passera sur le côté. Mertens. C'est bien donné. Lukaku qui choisit le côté gauche. Il cherche la profondeur. Oh, Sterling. Danny Rose. Un ballon intéressant. Ça pourrait être dangereux. C'est bien fait, ça. Et il perd l'équilibre. Attention, coup franc dangereux à suivre. Le voilà averti. Il n'y a pas grand-chose à redire. Un centre encore.
Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Allez, l'heure n'est plus au calcul. C'est vrai, Grégoire. C'est joué long. Oui, danger. Corner. L'Angleterre qui procède à un autre changement. Ouverture lumineuse. Il allonge vers l'avant. C'était bien essayé, mais il ne trouve pas de partenaire. De Bruyne. Dans la profondeur. Il est à distance de tir. Il s'échappe, il tire. Quelle occasion, en espérant qu'ils n'auront pas à la regretter. Ah oui, c'était vraiment chaud là. De cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. S'il le trouve, quel timing dans l'interception. Ali. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Et donc un 6 mètres à suivre. Passe là, le jeu repart vers la droite. Le débordement à droite, c'est bien ce qu'il fait là. Il cherche à le servir. Non, c'est trop profond ça. C'est bon, le danger est repoussé. Allez, ça doit, on peut y aller. Oh, ça aurait dû faire 2-0 ça. Il aurait pu donner de l'air à son équipe. Il va être déçu, c'est sûr. Ils se dirigent tout droit vers cette courte victoire. Ils ont presque les deux pieds en finale. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. De la tête. Oh, quel arrêt. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Ça, c'est une interception parfaite. Mertens. Peut-être une occasion pour Ferreira Carrasco. C'est centré. Ah oui, c'était l'occasion de tuer le match. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Encore quelques instants et ils pourront fêter la victoire. Stones, belle intervention. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. C'est un moment important dans leur histoire, bien sûr, ils ne l'oublieront jamais. Ils sont en finale. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Gagner une demi-finale, c'est bien. Mais est-ce qu'ils vont arriver à remporter le trophée? Vu ce qu'ils ont montré aujourd'hui, je dirais qu'ils ont leur chance. C'était vraiment une belle soirée d'arène. Un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite. À bientôt. Merci Grégoire.